Et salut à tous, c'est Gabi. Aujourd'hui, on se retrouve sur Planète Zoo pour notre zoo de franchise Prairie. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez aimé la vidéo précédente. Avant toute chose, actuellement, je suis en train de faire la vidéo. Mais quand je l'aurai postée, à mon avis, on aura dépassé. Mais je voulais dire un grand merci à tout le monde pour avoir dépassé les 200 abonnés. Vraiment, ça me fait beaucoup plaisir. J'ai posté un message. Je sais que cette vidéo va sortir plus tard que le moment où on en discute, mais je suis vraiment trop contente et je vous remercie parce que tout ça c'est grâce à vous. Donc voilà, la dernière fois on avait fini notre petit vivarium que les gens apprécient et que moi j'aime bien aussi. J'ai pas avancé dessus parce qu'en fait je me rends compte que je l'aime bien comme ça, que je veux quand même me faire comprendre que c'est une serre qui est bien en fait, qui a été créée récemment. Et donc dans cet épisode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire on va décorer surtout les locaux du personnel. Et si on a encore un petit peu de temps, on va faire un seul enclos pour les kangourous ici. Légèrement plus beau, en fait, j'aimerais faire un truc comme ça, mais plus beau. Et avec des matériaux différents que des vieux murs comme ça, tout moche. C'est parti. Alors, hop, on va faire pause, parce que si on change pendant qu'ils sont pas là, ils vont râler. Pendant qu'ils sont là, ils vont râler. Comment on va faire ça? J'ai bien envie. Hop. De supprimer tout ça. Parce que... ça, j'aimerais le mettre là. Tu vas me dire que ça, c'est pas la même grille? Pas grave, on va mettre un truc du personnel. C'était une zone de quarantaine. Voilà. Petite musique douce derrière. À la grande zone. Pas grave, on va mettre comme ça. Il va falloir un escalier, mais c'est pas grave. Ok, on va déjà faire ça. Oh, ça passe. Je pensais que ça allait pas passer, mais ça passe. On va passer en mode comme ça. Centre d'échange, je le veux en haut. Atelier, pareil. Pourquoi il s'est mis comme ça le truc? C'est pas grave, on va le mettre comme ça pour l'instant. Maintenant que je sais que ça marche, c'est bon. Voilà. L'atelier, on a dit qu'on le mettait en haut. Maintenant, je vais placer mes allées. Voilà, il n'y a aucun souci, c'est génial. C'est ce que je voulais faire. Ah, j'ai oublié de placer mes allées en bas. Ok, pour l'instant j'aime bien. Et normalement maintenant il nous reste l'atelier, on l'a mis. Cabinet vétérinaire. On n'a pas de cabinet vétérinaire et on n'a pas de cabane de soigneur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre ici. Attendez, non, la cabinet vétérinaire, c'est ça? Oui, le cabinet vétérinaire, c'est ça. Bah du coup, je crois qu'il nous manque juste le... tac, tac, tac. Juste la cabane de soigneur en fait. Vous savez quoi? On va la mettre en hauteur. Mais juste ici. Hop, comme ça on va faire un effet de hauteur.
Voilà. Ici, tu t'accroches. Ici, tu t'accroches. Ça, c'est bon. Tout est bon ici. Juste, je vais aligner sur la grille ça. Voilà. Ok, ça c'est fait. Maintenant, on va décorer. On est dans un type prairie, donc pourquoi pas utiliser pas du plâtre, mais ça là, du pisé. Ou on peut utiliser ça. Pourquoi pas. Allez, go. D'où y es-tu? Ici. Ouais, en fait, c'est bien mieux que l'autre, en fait. Oh non! Non, c'est pas vrai. Oh non, je suis trop deg. Donc là, tu vas me dire ça passe. Et là, c'est le seul coin où il veut pas. Tout ça parce qu'il est de bancal. Oh, j'en ai marre. Bon bah écoutez, on va faire une petite coupure et je vous retrouve quand j'ai remis cette saloperie. Voilà. Bon, du coup, là, j'ai remis. Et normalement, ça devrait être bon. On va juste se remettre sur la construction. On va revenir. Et normalement, là, on va enfin pouvoir le mettre. Et j'avais oublié de mettre un centre de recherche aussi. Ça, c'était pas mal à mettre. Parce que si je l'aurais oublié, ça aurait été un peu bête de faire la construction et de l'oublier. Ok, ça, c'est bon. Maintenant, ça... Oh, j'ai oublié ça, c'est génial. Je vais faire les murs d'en bas avant. Je ne sais pas quoi faire pour ici. Soit je fais un mur. Soit je fais une fenêtre. Je vais faire une fenêtre. Voilà, il reste celui-là et ceux en bas. Hop, on a juste oublié. Ah, j'en oublie partout. Voilà. Ah! Et maintenant, c'est bon? Oh, c'est pas possible. Voilà, enfin, c'est bon. Alors, ensuite, pour le toit, d'abord j'aimerais faire ça. Un truc avec ça, mais en plat. Comme ça. Peut-être pas sur celui-là. Juste sur ça pour donner un effet. Ça, c'est tellement moche en fait. Y a pas moyen de tricher. Oh, mais ça fait moche. Ah ouais, ça fait trop moche. C'est pas grave, on va décorer autrement. Donc ici, ça comme ça. Ensuite, des gros poteaux. Hmm.
Non, peut-être pas. C'est un petit peu trop gros. Ça, par contre, c'est bien. Hop, on va bien le mettre à l'intérieur. Voilà. Dépasse pas. Choc. Ici, c'est bon. Ils peuvent passer quand ils veulent. Ce qu'on va faire ici, c'est ça. Qu'est-ce que... Je ne sais plus par contre où je les ai vus. On va faire ça comme ça. Hop. On retourne dans nos petites décos pour rattraper ça. Voilà. Il reste plus que ce bâtiment-là. Je vous dis pas ce que je veux faire en fait. Pour l'instant, je veux vraiment que vous voyez avec moi. Parce que c'est quand même cool. C'est un bâtiment que j'aime bien là pour l'instant. Hop. Ça, ça va venir ici. En fait, je veux... Hop. Ils viennent ici comme ça. Pour venir toucher le bord. Ensuite, il va venir jusqu'en bas. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre la fenêtre ici. Ici, on fait pareil de l'autre côté. Évidemment. Voilà. Sauf que là, on va baisser un petit peu. Hop. Et bien sûr, il faut qu'on fasse le même de l'autre côté. On va bien sûr mettre nos piquets de la même façon ici. Il touche à terre là? Ouais. Hop. De même de l'autre côté. L'autre côté aussi. Et le dernier côté. Voilà. On a notre petit bâtiment. Comme ça, ici c'est bon, là c'est bon. Ça c'est bon. Comme ça ici, il est, on va faire ça même. Hop, on aligne sur la grille. Je peux avoir le truc des visiteurs. Du personnel. Comme ça, ils viennent ici. Hop. En mode tout bien. S'ils veulent, ils peuvent aller là derrière. Ouais, non, c'est pas utile. Ah, quoique si je fais ça. Ouais, on va les faire aller venir derrière. Et je vais utiliser ça. Pour mettre là. On va utiliser les mêmes trucs.
Voilà. J'aime trop bien le bâtiment. Bon, juste ça. Ici, je crois pas que ce soit vraiment nécessaire d'en mettre. Ouais, parce que ça va déborder. Donc ici, c'est pas nécessaire. Ici, on est à l'abri. Ici, c'est pas grave. Ils ont pas vraiment besoin d'être à l'abri. Hop, parce que je peux... Voilà, merci. Normalement, notre bâtiment, c'est bon. Ici, il n'y a pas besoin de plus de décoration que ça. Sauf si on veut ajouter ça sur le côté. Allez, on va peut-être faire des contours de fenêtres, pourquoi pas. Soit on en trouve ici. Non, ça c'est des trucs de... Bah bof, hein. Il n'y a rien de bien intéressant. Peut-être que si... On utilise ça. Oh, voilà. Je vais juste enlever celui-là. Et voilà. Un truc simple, mais qui marche bien. Est-ce qu'il y a d'autres fenêtres sur lesquelles on pourrait mettre? Ouais, ici. On va le mettre comme ça. Bon, écoutez, on va peut-être le mettre aussi quand même sur les autres fenêtres. C'était l'autre côté. Voilà. Ça déborde pas, c'est parfait. On fait de même ici. Ça déborde pas. Bah voilà. Comme ça, on a décoré légèrement notre truc. On va bien sûr venir mettre les plantes murales. Il suffit juste de les retrouver. Ah, on peut mettre ça! Bah oui! C'est pas un truc que je pense en fait d'habitude, c'est juste ça. C'est pas le genre de truc que je mets habituellement. Bah en fait, non, c'est moche. Enfin, ça rend pas bien, pardon. Voilà. J'arrive pas. Peut-être pas par ici. Comment est-ce qu'on va te mettre? Comme ça. Voilà, là, ça fait déjà beaucoup plus beau. Pardon, je parle plus. Désolée, j'étais concentrée. J'ai tellement l'habitude de jouer sans parler à Planet Zoo que voilà, j'ai complètement oublié. On va peut-être mettre autre chose aussi. Ah, bon. Ah, oh, ça peut être dans le style.
Hop, on le surélève un tout petit peu. Non. Je vais peut-être aller en mettre aussi ici. Ça donne bien. On va juste réutiliser ça pour en mettre quand même un petit peu ici, histoire de faire un petit peu de déco. Voilà. Oh non, on a oublié là. On a bien décoré le truc. Parce que de toute façon, ici, on va venir mettre les panneaux qui vont avec la construction. Hop, c'est juste ici. Donc ça, c'est... voilà. Ça, c'est le centre de recherche. Ça, c'est le centre d'échange parce qu'on ne peut rien voir à l'intérieur. Ça, c'est l'atelier. Ici, on a la cabane des soigneurs. Et en bas, on a... Hop, on va le mettre ici. Voilà. Et le cabinet vétérinaire. Et voilà! Pour l'instant, je mets l'entrée de l'enclos ici. Mais ce que j'aimerais bien faire, c'est faire l'entrée de l'enclos ici. Mais comme il y a l'eau, il va me refuser de faire entrer les animaux par là. Parce que le jeu est comme ça. Voilà. Sinon, peut-être faire une allée avec les rambardes juste pour ça. Ouais, ça fait bien, ça fait classe, ça fait propre. Bah voilà, on a terminé ça. Comme ça, le personnel a son petit truc. Mais je crois pas que le personnel... Qu'est-ce qu'il y a encore ? Oh merde, oui ! J'ai oublié... Ah mais non, mais... Bah voilà, je savais pourquoi, parce qu'au départ j'avais fait ça, mais je savais plus pourquoi, dans ma débilité infinie, j'ai complètement oublié pourquoi j'avais mis ça, mais en fait c'est pour mettre les deux, les structures à l'abri. Ben ouais, c'était pas pour l'entrée de l'enclos. Oh là là. Mais non. Du coup, cette structure là, elle vient ici. Par contre tu vas vite me quitter ça. Je ne vois rien. Mais tu vas pas me dire qu'il va pas vouloir parce qu'il est en dessous d'un... Hein, il va pas vouloir à cause de ça. Voilà. Est-ce que je peux... Non, je peux pas. Il veut pas changer de groupe. Donc... Non, en fait, j'ai l'impression qu'il veut pas parce qu'il y a le bâtiment au-dessus. Mais ça m'agacerait quand même de faire un... Ouais, bien sûr, là, il veut bien. Ouais, ça m'agace de faire ça quand même. Hein. Parce que j'avais fait ça au départ parce qu'il pourrait que ce soit grand pour bien protéger le truc. Et au final, il se met juste en dessous, c'est un peu chiant. Donc on va le mettre... Hop. Bien dans le truc. De toute façon, il dépasse pas. Voilà. Parce que ensuite ici, pour l'instant, on a assez d'électricité dans la zone. Mais si jamais je veux ajouter un transformateur, voilà, pour ici, j'en mettrai un là en dessous par exemple, ou alors si on veut mettre un régulateur de température 2, mais je pense qu'on n'aura pas besoin pour ces animaux-là. Voilà, on l'a mis ici. Donc du coup, je remets mes petits trucs. Hop, pour pouvoir faire mettre mon entrée plus tard par ici.
Ici, je ne vois pas la nécessité. Ah, peut-être ce qu'on peut faire, c'est utiliser ça. Et le mettre là, pour cacher un peu en fait. Voilà, ça fait déjà beaucoup plus propre. Ouais. Est-ce que... Ouais. On va mettre ça comme ça. Non, pas ici, là. C'est pas grave, on va le laisser comme ça. Voilà. Notre zone du personnel est finie. Enfin, on va s'attaquer maintenant. Attendez, je regarde juste le temps de vidéo. Bah, en fait, je me rends compte que ça fait quand même une demi-heure de vidéo là déjà. Donc, soit on regarde, on va regarder. En fait, on va faire un nouvel habitat. Hop, je retrouve juste mon petit papier. Pardon. On va faire un nouvel habitat. On va regarder pour mettre des émeus ou des caracals. Je vérifie juste mes animaux. Oula. Alors lui aussi il est adulte. Je vais l'envoyer au centre d'échange. Et comme il a une assez bonne réputation, ils sont à combien les wallabies en ce moment? Ok, ils sont pas. On va le mettre, allez, à 200. En fait, je devrais même le vendre plus cher que ça. Je vais essayer 400. Il y en a, ils les vendent à 10 000, donc je vois pas pourquoi moi je pourrais pas le vendre à 400. On peut toujours essayer. Surtout que je le vends pas cher du tout. Alors du coup, des émeus. Qu'est-ce qu'on a? Alors les émeus, est-ce qu'ils vont les vendre comme les autruches, pas cher du tout? Ici, on a déjà une bonne femelle. Alors la femelle, je la prends tout de suite, je regarde juste combien ils peuvent être. Alors les émeus, ils peuvent être... Donc 6. Et si on en met 3, ils ont besoin d'au moins 600. Ok. Maintenant, il nous faut un mâle. Bah lui, c'est bon. Est-ce qu'on a encore une bonne femelle? Pas cher. Je suis en train de me dire que je vais vendre 400 l'autre, donc pourquoi pas l'acheter pour 800, c'est pas si grave que ça, surtout qu'il va nous donner des beaux bébés. Voilà, on a 3 émeus, le wallaby est en vente. Où est-ce qu'on va le mettre? On a de l'électricité jusque où? Ah! Je vais faire ça. On va mettre l'allée du personnel comme ça. Non. On va faire des allées de 6 mètres et je vais faire partir les visiteurs par ici. Non, même pas. En fait, je veux pas qu'ils passent par ici, justement. Donc, en fait, ils auront qu'un seul choix, c'est de sortir d'ici. Et ils devront passer par là. Voilà. Comme ça, ici. On va mettre notre prochain transformateur. On va même le mettre de l'autre côté pour éviter qu'il nous casse les pieds sur le fait que... ouais, on a bien fait de le mettre là. Nos émeus sont arrivés. Hop. Ils sont tout beaux. Oula. Ah ouais, ils sont déter, hein. Ah bah ils sont plus. Oh non. Trop fort. Alors du coup, est-ce que ça te convient? Est-ce que tu t'échappes? Non, ça va. Le terrain, t'as parfaitement ce qu'il te faut. C'est bien. Oh, une albinos. Elle est toute belle comme ça, hein. Oh, franchement, j'aime trop.
Ah ouais, mais ils courent tous en fait, comme ça. Bon, le terrain. Alors déjà, qu'est-ce qu'il te faut? T'as besoin d'un abri. Un petit abri comme ça, ça te va ou il te faut plus? Non, c'est bon. À manger, une grande écuelle, bien sûr. À boire, on va mettre ça là-bas. Merci. Optimisation alimentaire, on va la mettre près des visiteurs. Et ça, juste ici. Ça, ils adorent. Il paraît qu'avec le DLC, ils ont fait une optimisation avec la boule disco pour qu'ils puissent interagir avec et jouer avec. Quoique tu m'as... Mais c'est une interaction qui est beaucoup plus importante qu'avec les autres animaux. Parce que oui, tous les animaux interagissent, mais pas que eux, en fait. Enfin, surtout eux. J'ai du mal à m'exprimer. Voilà. J'aimerais bien juste pouvoir faire ça. Et voilà, normalement ils peuvent toujours accéder à leur petit truc. Oui, sauf à part avec ce petit rocher de brun. Alors, qu'est-ce qu'on va leur mettre comme plante? On a les arbres typiques d'Australie. Les eucalyptus du désert, c'est parti. On a aussi cela. Bien sûr, ces petits trucs. Je vais peut-être juste leur ajouter de quoi dormir en fait. Voilà. Hop 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 hop. Ça fait pas trop. En fait, il n'y a pas beaucoup. Hein. Ça aussi, c'est pas mal. Voilà. On a notre enclos d'émeux. J'espère que les visiteurs vont un petit peu plus venir. Quitte à mettre, pourquoi pas pour l'instant, même si c'est moche. Hop, pardon, toi, tu dégages. Non, en fait, non, tu reviens. ça, il va leur en falloir de toute façon, donc je vais leur en mettre à l'entrée. Voilà. Alors, à manger. Ah oui, pardon. À manger. Bon. Ah ouais, non, c'est que ça quand même vraiment le truc... Non. Bon, on va leur mettre juste un petit truc comme ça, tiens. En attendant. Bien sûr, ne pas oublier les poubelles. D'ailleurs, on va mettre des poubelles un peu partout. Parce que sinon, je sens le truc venir. En plus que j'ai mis des... ça ici, j'ai pas mis de poubelles. Ici c'est bon, il y a des poubelles, là il y a des poubelles, c'est bon. Là c'est bon ici pour le reste. Hop, voilà. Bon bah écoutez les amis, on a eu un grand épisode quand même là pour cette fois. On a fait l'enclos et la zone du personnel bien décorée. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner. Ciao ciao tout le monde, à bientôt.